Merci, Monsieur le Président. Monsieur Ba, est-ce qu'au domicile de Monsieur Selouda Ndiallo, est-ce que les bérets rouges, notamment Monsieur Claude Pivi, est-ce qu'ils ont fait usage de leur arme à feu? Wow, quand galé à la gisselle, bérets rouges bébé. Claude Pivi en quoi yaltu nakon? Est-ce que be houtour na pinka ding? Pinka be houtour na diwe fellu no? Be houtour na pinka. Ko sabu dun ba yoni feti. Yawna benton premier fois fo ba yana batte ku re den ka plafon. Ils ont fait usage de leur arme. C'est pour cela quand vous êtes quand ils ont quitté les premiers qui sont rentrés, ils ont vu les traces sur les plafonds. Vous voulez parler des impacts de balles? Non, arrête ko batte ku re den ne. Batte ku re den ko tu ko feti. Oui. Les balles qui ont perforé et passé. D'accord. Monsieur Ba, vous êtes un garde rapproché. Je vais essayer de vous poser une question qui est un peu, enfin, qui va être un peu longue, mais je vais lire quand même ma question. Si vous ne comprenez pas, on va essayer de reformuler. L'enchaînement des événements ce jour-là, le fait qu'on ait bloqué toutes les issues au niveau du stade, toutes les portes étaient bloquées. On a organisé des électrocutions. Certains sont morts par électrocution. Vous avez entendu des récits ici où ils ont mis des pavés de pointe pour que les gens ne puissent pas sortir. L'existence de tireurs d'élite ce jour-là. Est-ce que tout ça, jusqu'au domicile de M. Selouda Ndiallo, vous qui avez pu sortir du stade jusqu'au domicile de M. Selouda Ndiallo, est-ce que tout ceci ne signifiait pas que ce jour-là, vous ne deviez avoir aucune chance de vous en sortir. Qui ne devrait avoir aucune chance de s'en sortir. Voilà. Oh, c'était on a encore voir nos castades. Yimbe ben saka, dambule den soka, pilon liba kakura, dambule den fo uda. Yimbe ben jokita hanka la gisellu. Kudung woni faida tiki tiki. Donc comme Allah hisi ni yo hisata kono de yande har Allah na no hisoro de yande si yewti no kugo agondina to bay mi felitano mi yalta do si il arrive à un niveau il faut s'en donner à Dieu. Même moi je n'étais pas sûr que j'allais sortir. Je vous remercie. Merci monsieur le président. Merci, Monsieur le Président. Honorable assesseur, de m'avoir encore passé la parole. Monsieur Ba, vous aviez porté plainte contre qui dans cette affaire et pour quelle infraction? Ene, koe hor hombo wuli tu dondo, e fi hondung idong hebi masibo hondung. O fi, e hor yimbe tato mi porte plainte do. Je porte plainte contre trois personnes. Yimbe dido ben mi yino ben gateren. Les deux personnes que j'ai vues au terrain. Keburu et Pivi. Ah, et au nom président de la République. Jusqu'à arriver le président de la République. Moussa Dadis Camara. D'accord. Monsieur Ba, est-ce que vous êtes la première personne à cette barre à parler de colonel Moussa Keburu Camara et de ses hommes? Est-ce que vous êtes la première personne à Moussa Keburu Camara et de ses hommes? Non, ça n'a pas commencé par moi. Est-ce que vous serez la dernière personne? Est-ce que quoi ça quitte le pacadi? Non, ça ne va pas se limiter à moi. D'accord. Les gendarmes qui étaient avec lui faisaient quoi? Gendarmes de Wondi Ben Kondum Bewadaino. C'est à quel niveau? Au niveau de l'université Gamal Abdel Nasser. Gamal. Avant d'arriver là où on était, il faisait des tirs de sommation, il tirait à l'air. D'accord. Est-ce que ces balles ne pouvaient pas atteindre les manifestants et les tuer? Est-ce que vous avez dit que tous les manifestants bébé? Dankura don de woni perdi wo si de memo yali goddo me kadi futtu wo si hawri goddo barma mamaya. Bon, quand on dit perdu, c'est si les balles n'arrivent pas à retomber sur quelqu'un, mais s'ils arrivent à tomber sur quelqu'un, la personne est soit blessée ou morte. D'accord. Monsieur Ba, je vais vous lire une partie de la déclaration de colonel Moussa Keburu Camara consignée dans son procès verbal d'interrogatoire. Comme fala jangande on goddungo ko kelna Keburu woli ka procès verbal makko. Prenant la parole, Elhadji Selouda Len a fait part de l'arrestation de certains de leurs militants déjà.
wo tele geku wal hala ala giselo la ngindi midi tambe makko ben hari go wobbe nangama. Ayant compris que leur objectif n'était pas la casse, nous avons continué les discussions qui ont abouti à la conclusion suivante. Il m'a été demandé de faire en sorte que tous leurs militants mis aux arrêts soient libérés aussitôt. En contrepartie de s'engager au report de la marche. C'est ainsi que j'ai donné l'ordre de libérer certains militaires qui se trouvaient dans les pick-up des policiers. Est-ce que Kiguru, le colonel Kiguru, était un policier? Est-ce que Kiguru était un policier? Il n'est pas imposé, c'est un gendarme. Est-ce qu'à travers cette déclaration, on ne peut pas dire sans te tromper que c'est lui qui assurait le commandement des unités? C'est pour cela que je vous rappelle ici. Non, vous dites que les gendarmes ont donné l'ordre et béré rouge bébé. D'autres ont dit ici qu'il est gendarme. Comment il peut donner l'ordre au béret rouge? Lui-même, il est gendarme maintenant. Lui-même, il dit ici qu'il a ordonné aux policiers de libérer les gens. Je vais vous lire également les déclarations de colonel Blaise Goumou, qui était en service à l'antidrogue chez Kiguru au moment des faits. Nous avons donc Blaise Goumou, on donc l'antidrogue à Kiguru. Fendo, nous voyons. Il déclarait ceci. Nous étions sur le trajet de la Bellevue lorsque le colonel Kiguru m'a appelé pour me dire qu'il avait l'intention d'aller sensibiliser les manifestants qui marchaient en direction du stade. Est-ce que colonel Moussa Kiguru Camara, en tant que secrétaire d'État à la présidence chargé de la lutte contre la drogue et le grand banditisme, avait-il pour mission d'aller sensibiliser les manifestants au stade? Colonel Kiguru, ministre de Kipudo, sécurité, Kokambe Woni, Tefobe Fika, drogue, est-ce que nous avons Yamira Fio, Yao, Ondo, Nodua, Yao, de sensibiliser les militants bébé? Ce n'est pas son travail, ça. Non. Monsieur Ba, est-ce qu'il y avait des grands bandits au stade ce jour-là? Des grands bandits au stade. Est-ce qu'il y avait des bandits au stade? Non, il n'y avait pas de bandits. Et les trafiquants de drogue? Il y avait des drogues, les harinotons. Il n'y avait pas tout ça là-bas. Rien ne justifiait sa présence ce jour-là, si ce n'était que de réprimer les manifestants au nom et pour le compte de son président, Moussa Dadis Camara, oui ou non? Vous soupirez en dernier, quand vous avez eu le don, si vous avez eu le don, vous avez eu le don, président Mako Moussa Dadis Camara. C'est comme ça. Monsieur Ba, est-ce que pour assurer le maintien d'ordre, les gendarmes avaient besoin de s'armer jusqu'au temps pour venir au stade? Est-ce que les gendarmes ont été ministres de maintien d'ordre, les gendarmes ont été maintenus dans le stade? Non. En se comportant ainsi, est-ce qu'ils n'ont pas failli à leur mission? Non, ils ont raté ça à leur mission. Pour vous, qui est responsable de ces massacres, de ces tueries? Moi, c'est toujours les trois personnes, les deux qui ont été au stade et celui qui les a envoyés. Qu'est-ce que vous sollicitez du tribunal, monsieur? Ce que je demande au tribunal, c'est de faire la loi, sanctionner les fautifs. Bon, si on ne connaissait pas les auteurs, c'était difficile. Mais comme nous sommes arrivés jusqu'à ce niveau maintenant là, c'est de nous aider pour ne pas que ça se répète chez nous maintenant. Je vous remercie, Monsieur le Président. J'en ai terminé. Du courage, Monsieur Ba.